Bien, nous avons approché et maintenant pour que nous soyons capables de faire un passe en avant, surtout nous gagnons une exhortation aujourd'hui hein, qui titrerait sous un thème de retournons-nous vers le début. Retournons-nous vers les débuts, c'est thème à traiter aujourd'hui. Et pendant, nous avons salué pour nous dire bonsoir, ça dépend de l'heure où attendez-nous, côté où vivre dans le monde là. Bonsoir tout le monde, bonsoir Internet, et bonsoir le monde. Et que la paix de Jésus soit avec vous tous. Pendant que vous avez fait une petite pause, vous avez tourné, voilà, par jour, et puis vous avez rentré sur les réseaux sociaux, vous êtes capable d'aider nous à publier message ça, aider nous à publier sous page. Amitié ou gagner pour que ou capable au moins faire de monde tendez même conseil ça pendant ou approuver bibou avec nous et là ou approuver bibou avec nous dans Actes chapitre 13 le verset dans Actes chapitre 13 le verset depuis verset 1er. Pas oublier que ou sous Radio Télémévé, la voix des angéliques internationale. Nous voulons raconter une histoire après-midi. Et histoire ça, maintenant capable fait nous faire un coup d'œil. En arrière, qui donc y a coup d'œil, c'est ça que fait nous titrer le thème Retournez-nous vers le début du ministère. Le ministère apôtre Paul, dans Actes chapitre 13, il y a eu dans l'église Antioche. Alors la Bible expliquait nous, dans l'église d'Antioche, il y a des docteurs et ensuite des prophètes. Il y a un bagage aujourd'hui hein, qui est très difficile pour nous et qui n'est pas gagné. Alors c'est un point de discussion, même si dans une église il y a eu un prophète, et nous jouons un peu de monde, on entend ça, qui dit, il n'y a pas quoi d'un prophète. Mais pourtant, l'église Antioche, la Bible dit, il était gagné plusieurs prophètes et un pile docteur. Et il n'y a pas de compter. Ok. Donc, nous voyons que Barnabas, Siméon, Niger, Lysius, des sirènes, Manahan, qui avait été élevé ouais, chez Hérode, le tétrarque et Saul. Messieurs, ça a été élevé en bas principe tétrarque. Pendant qu'ils ont observé le Seigneur, voilà Jésus. Pendant qu'ils ont servi le Seigneur, tu vois, et ils ont prié, ils étaient dans le jeûne, ils ont prié, et puis, dans le ministère, Seigneur Jésus, ils ont prié, le Saint-Esprit est arrivé, mettez à part Paul. Et Barnabas parmi ses frères. Oubliez que tu as gagné Siméon, tu as gagné Niger, tu as gagné Lucius, tu as gagné
une sirène. Et ensuite, maintenant, t'es là. Et donc, quand l'autre personnage qui était là. Et pendant qu'ils ont décidé pour te aller en mission, eh bien, le Seigneur dit, travail qu'il a besoin de réaliser dans le ministère là, c'est deux mondes ça, moins senti qui à la hauteur qui pour aller faire mission ça. Mais pendant pas quoi, tu as gagné Jean, apôtre Jean qui t'a accompagné aussi. Alors, après avoir prié, après avoir jeûné et prié, monsieur, tu as imposé les mains sur deux messieurs qui t'ont parlé dans la mission. Et ensuite, maintenant, il a dit, c'est mis à part. Il a prié pour eux, pour que ils étaient capables de voyager. En arrivant à sa limite, monsieur t'a annoncé l'évangile. Il a entré dans la synagogue pour annoncer l'évangile. Et pendant qu'il a prêché l'évangile, et puis, arrivé que tu as gagné, monsieur entré au Paphos, il était trouvé un certain magicien qui ne relève pas Jésus. Pas Jésus était là, mais qui était, monsieur, c'était un magicien. Et ensuite, tu as gagné un autre serviteur, un autre monsieur, c'était un proconsul qui était là également. Eh bien, le proconsul, tu as gagné un nom, tu as gagné Sergius Paulus. Et c'était un homme intelligent, c'était un homme intelligent, très intelligent. Et puis, ce dernier, et qui était relé lui-même Barnabas. Et maintenant, gagné Elimas aussi, qui était magicien, qui était là. Et puis qui est Noni, qui signifie, voilà, c'est avec monsieur Terrelé par Jésus, non, par Jésus, qui signifie Elimas. Donc c'est un magicien. Cependant, et maintenant, où est que dans croisement ministère apôtre Paul, donc l'hypate grandit et l'hypate commencé n'importe comment. Donc le ministère d'apôtre Paul t'es commencé par le jeûne. Messieurs, t'es quoi? En pile dans le jeûne, et t'es quoi? En pile dans la consécration, et t'es quoi? En pile dans la prière. Et c'est au travers de la consécration où t'es jeûne que maintenant l'Esprit du Seigneur t'es saisi, voilà. Et maintenant, l'Esprit du Seigneur t'es parlé avec eux pour te dire, mettez à part pour moi ces deux hommes. Pendant que Paul et Barnabas annonçaient l'évangile, et puis, monsieur citoyen, proconsul là, et puis qui t'attendait, monsieur, avec beaucoup d'avantages, et puis tu sentis que Jésus t'a marié que monsieur, voilà. Voilà que magicien, hein? Il était utilisé en moyen pour être capable d'empêcher qu'on se l'attendait la foi de l'évangile. Apôtre Paul qui sentit vraiment négligé, comme s'il était senti vraiment engagé, dans le sens que, et monsieur a lui-même lui tapé, fait travailler ça, eh bien, lui fixé magicien, hein? Avec un regard très puissant. Et puis, pendant la fixée, monsieur, la cadet, monsieur, de près, et puis le Saint-Esprit de Dieu révélé pour dire, monsieur, c'est un homme qui en opposition contre la voix de Dieu. Et alors, Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, et fixa les regards sur lui et dit, homme, oh, plein de toute espèce de ruse et de foudre, fixe-toi
fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesse point de pervertir les voies du Seigneur. Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un peu de temps, tu ne verras pas le soleil. Et aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Et il chercha en tâtonnant des personnes pour les guider. Ça va te prendre un peu le temps pour que Monsieur magicien t'es avec. Et aussitôt, apôtre Paul lance ces paroles-là, prononce sous lui, je suis avec. Alors le proconsul qui t'est ouais et fait hâter aussi réalisé rapide, pendant qu'il attendait l'évangile, et bien monsieur lui-même, il t'a accepté l'évangile. Ouais, monsieur accepté l'évangile là pour le couel. Monsieur, ouais, c'est pas de jouet l'itéye. Monsieur, ouais, c'est pas de jouet ça t'éye. Si monsieur a prêché l'évangile puissant comme ça, et aussitôt même, il prononçait la parole de Dieu sur ce jeune homme, et la malédiction atteint dans l'immédiat. Donc, le proconsul, tes sujets nécessaires, il faut qu'il t'accepte Jésus. Et c'est comme ça, pour qu'on s'il a t'accepté Jésus. Accepté Jésus. Donc, je dis à une bagaille que nous, l'homme, continue toujours à faire. Nous, l'homme, toujours continuer. Nous, pas comprendre comment, je dis à que, même dans l'évangile, où il y a des gens qui, en opposition contre le vrai prédicateur que Dieu a choisi. Gen moun, c'est bon Dieu qui choisit yo, qui met yo dans l'évangile. Gen moun qui pata ka servi bon Dieu, sans que le Seigneur pat rele yo, met yo là. Aujourd'hui, nous ka comprendre, gen moun qui vini dans l'évangile, peut-être pas hypothèse, peut-être pas maman li, ou bien papa qui te kon vin d'église, maintenant je dis al vin là. Mais gen moun également, c'est pas maman ni non, c'est pas papa, mais c'est. Et c'est un appel que Dieu fait qui permet que l'I capable là. Donc, même genre que moi-même, c'était un appel que Dieu était fait. Parce que moi, d'arriver un moment dans Genèse, moi, et que je ne comprends pas comme ça, t'as à coup, j'ai Noël jeudi. Hein. Mais certainement, le Seigneur m'a fait grâce et aujourd'hui, et moi, c'est porteur de la parole de Dieu. Donc, moi, encouragé ou même qui c'est lecteur, qui c'est prédicateur ou bien chrétien, et pour capable mener une vie sérieuse. Voilà, mener une vie sérieuse. Mener une vie sérieuse parce que tant l'y marqué. Tant l'y marqué. Et si c'est un monde qui est toujours compoté, comme si des arguments sur les serviteurs de Dieu ou qu'on pouvait porter écouter paroles sous dos aux serviteurs par exemple ou bien prendre possession de un serviteur pour un autre et nous dire ça je dis à pas essayer faire ça parce que et à chaque fois le Seigneur choisit serviteur yo ou bien pasteur yo depuis au fin ouin yo yo vide de l'huile sous tête yo et bien moun sa yo yo c'est danger. Yo c'est danger, yo capable porter des malheurs parce que yo pas ou pas capable di n'importe bagaille sou yo, n'importe qui leur, n'importe qui jan. Donc travail en serviteur mon Dieu, c'est Dieu qui balil et travail en serviteur de Dieu ou pas capable perturber non plus. Ça veut dire au contraire, ou ta ka servi pour encourager serviteur hein? Mais une fois que ou ta connaît serviteur ça sous contrôle du Seigneur ou même si vraiment ou a servi mon Dieu ou supposé mettre l'amour en ruine. Donc qui ça nous voit que dans le psaume 78 dit. Le psaume 78 l'exigeait pour que nous les anciens
pour nous capables de diriger Timounio, apprendre, voilà, apprendre Timounio à retourner dans les anciens temps pour nous capables d'apprendre qu'on est qui Jean, bon Dieu lui-même, lui servent. Qui Jean, lui-même, nous doit instruire. Ce que nous avons entendu et ce que nous avons, nous savons ce que nos pères, et voilà, nous ont raconté, nous ne le cacherons point de leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel. Et voilà, et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage à Jacob et il a mis une loi en Israël. Il a donné, voilà, à nos pères de l'enseigner à leurs enfants. Donc, les instruis-nous pour nous, les bannons l'ordre pour enseigner à Timonio ça qui est bien, ben, nous mettez dans le chemin de la justice afin que vous soyez capable de connaître qui ça les Seigneurs voulaient pour vous, afin que demain, pour que vous-même cap venir, qui c'est une nouvelle génération, pour capable bien instruire. Ou tu vois que comment apôtre Paul pas d'accord et le Saint-Esprit de Dieu pas de chambre rivé d'accord avec monde qui a piétiné la voie de la justice du Seigneur. Donc, quel est notre devoir aujourd'hui? Notre devoir, c'est d'annoncer l'évangile aux enfants. Notre devoir, c'est de travailler aux enfants. Notre devoir, c'est de prêcher et de préparer les petits-enfants de Dieu qui vont dans le royaume de Dieu. Ça veut dire les gens du royaume. Donc, nous devons être concentrés pour que nous préparer tout le monde qui fait partie du royaume bon Dieu. Il dit pour qui ça? Afin qu'il ne soit pas comme le Père et une race indocile et rebelle. Pour qui raison? Lorsque nous enseignons Timonio, nous baillons Timonio formation, c'est parce que pour ne pas venir une race rebelle, même gens avec papa, voilà, une race, voilà, dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Voilà, et imaginons, alors, expliquez-nous, le fils d'Éphraïm, armé et tirant le lac, tournait le dos le jour du combat. Donc, après que pendant tenir un moment, après fils Timon et Ephraim, pendant ce temps, Dieu t'a combattu pour eux, Dieu t'a mené eux, et au jour pour y gagner victoire, et bien viré d'eau, ils ont quitté bon Dieu. Donc, on connaît aussi longtemps ou même qui c'est chrétien. Ou virer d'eau, quitter mon Dieu. Bon, maintenant, t'es tout. Pendant au jour où virer d'eau là, et ces jours-là, le Seigneur t'a pas dit assez pour. Jour où virer d'eau, mon Dieu, ces jours-là, l'Éternel t'a pas dit problème ou un, les résoudre. Jour où virer d'eau, mon Dieu, ces jours-là, le Seigneur t'a pas guéri ou parti, ou pour aller recommencer jusqu'à ce que ou capable de vivre. Donc, qui ça nous le fait? Retenez-nous dans mon Dieu. Qu'aimer Seigneur. Retenez mon Dieu, c'est vivre tout bienfait lié. Retenez mon Dieu, c'est qu'aimer bouche nous en bride. Retenez mon Dieu, c'est préparer nous pour entendre Jésus. Déjà, nous le monde lui-même, le monde en deuil, le monde est en peine, le monde est au pied de guerre. Qu'est-ce que nous devons faire, nous autres croyants et chrétiens? Qu'est-ce que nous devons faire? Il faut que nous mettions-nous à la disposition de la préparation pour la rencontre du Seigneur. La rencontre du Seigneur ne va pas faire en cachette, je ne pense pas. C'est que, si elle parle pas dans nos oreilles pour l'aller. Non, c'est le monde qui prépare. Ou préparer, et le Seigneur a fait appel avec le monde qui prépare. Je dis à nous pas cap comprendre, lorsque nous avons posé question, nous est que l'homme pas capable de retenir. Nous est l'homme pas capable de retenir. Nous est l'homme pas capable qu'aimer. Qui ça nous est attend? Non, mais Seigneur. Qui j'en nous comprendre venir?
pasteur à pasteur, ou kounye la pasteur à pasteur, kidnappé pasteur. Pasteur à pasteur, pas capable de faire service ensemble. Pasteur à pasteur, pas capable de visiter l'autre. Pasteur à pasteur, pas capable d'assister service l'autre. Pasteur à pasteur, pas capable de discerner un peu de la parole de Dieu. Qui responsable est-il? Qui ça nous gagne pour nous? Si c'est pasteur ou c'est pasteur, baka visite ou baka l'église ou si c'est pasteur, puisque moun nan gen connaissance, m pa ka pran pou enseigner, pou mete l'an poste qui convient selon le Saint-Esprit. M oblige a pran ou moun ki pi ba nan ekip la, ki pa kon li nan ekip la, pou mete pasteur l'église. Ou bien pour mes diacres, mon cap fait formation l'église dans pas capable. Pasteur n'est pas capable diacre parce que si le diacre la prend l'église à la main. Pour qui est-ce qu'on travaille? Pour qui est-ce? Je pense que si c'est pour mon Dieu n'a travaille, je pense que nous cachita, mon cap fait école du dimanche, le cap travaille l'église là. Pour qui raison c'est pas lui-même qu'on choisit pour mettre? Alors à partir de là, ou même qui a choisi, ou même qui connaît qui a une capacité qui dans l'église ça qu'on a vie ou vie dans jeu. Ou rend vie moun sa vie dans jeu. Ou rend vie moun sa presque mette dehors. Je dis en la Bible dit nous, on faut kou dey deye pour nous ça qu'on quitte. Retournons-nous vers le début. Je ne t'ai commencé travail là. Retournons-nous vers le début. Je ne t'ai commencé l'église là. Qui condition nous t'es passé? Qui comment nous t'es commencé réveil là? Qui comment t'es commencé service là? Au début du ministère de l'église d'Antioche, au jeûne que, il était commencé par le jeûne et la prière. Je dis à personne par l'héritier dans la prière. Si on était dans la prière, il y a pas de gain temps, eh bien ceux qui en train de prier, alors la pasteur la prend l'église dans la main. Mais le Seigneur dit, nous faut nous prier, monsieur. Le Seigneur parlait d'être rempli du Saint-Esprit. Yeah! Qui s'en attend pour le Seigneur? Qui s'en attend? Est-ce qu'elle nous pas empêcher Jésus de retourner? Est-ce qu'elle nous pas empêcher Jésus de travailler par où il a fait? Donc nous souhaitons que nous capables de comprendre un peu à soi-là, nous capables de comprendre justement pour que nous capables encore retourner nous avec. Pas oublier que on est toujours capable de nous sur 829 7 98 70 78 59 829 7 98 09 52 829-7-98-09-52. Et si vous avez aimé, posez-nous questions. Vous avez aimé prière également. Vous pouvez brûler nous toujours sous le numéro 5. Pas oublier que pour tes commentaires, dit ça qui fait content, ça qui fait plaisir. Toujours pour tes commentaires dans la vidéo, s'il te plaît. Et ensuite, abonnez et puis partage. Donc, c'est tout ça qui est déposé aujourd'hui à vous sur l'antenne de la radio Télémefé, la foi des angéliques internationale. Donc, espérant que ce n'est pas pour la première et pour la dernière fois que vous assistez sur le canal. Non? Et déjà, si vous avez besoin de l'évangile dimensionnel, année 2021, c'est sous chaîne radio Télémefé pour Vini Bral. Donc, nous même nous là, nous espérons que nous travaillons, nous pensons et nous attendons que le Seigneur parle. Que bon Dieu bénisse. Allez bien. Passez une bonne semaine, une bonne journée et une bonne soirée. Dans le nom de Jésus. Bon Dieu bénisse.